Bonjour, je vous propose aujourd'hui de corriger la dictée que vous avez faite la semaine dernière. Et pour ce faire, il va vous falloir votre copie de la semaine dernière, celle dont vous m'avez envoyé une photo. Il va falloir également de quoi la corriger. Et donc pour ça, vous pouvez prendre un stylo de couleur si vous voulez. Et après, je vais afficher le texte et ça va être à vous de repérer les erreurs que vous auriez pu commettre. J'attirerai l'attention sur les accords sujet-verbe, puisque c'est essentiellement là-dessus que ça portait. Et à la fin, vous m'enverrez vos résultats. Donc voici le texte que je vais vous demander de prendre. Je ne vous demande pas de le prendre, en fait. Je vous demande de bien regarder. Et je vais corriger directement devant vous. Donc, il était une fois. Un louveteau si maladroit qu'il... Alors ici, c'était le verbe attraper. Qu'il n'attrapait jamais rien. Et jamais est un de ces verbes, un de ces adverbes invariables dont vous devez connaître l'orthographe. Donc tout à l'heure, je commenterai image par image de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qui était attendu de vous. Les mulots lui filaient sous le nez. Les canards s'envolaient à sa barbe. Mais il fallait, bien qu'il serve à quelque chose, voilà encore, cette fois-ci, le pronom quelque chose, en deux mots. Mais il fallait bien qu'il serve à quelque chose, non. Ensuite, heureusement, il avait une grand-mère. Heureusement, H-E-U-R-E-U-S-E-M-E-N-T. Heureusement, il avait une grand-mère très vieille. C'est grands yeux tristes regardaient courir les jeunes. C'est grand, il fallait penser à l'accorder. Ces grands yeux tristes regardaient courir les jeunes. Sa peau ne frémissait plus à l'approche du gibier. Sa peau ne frémissait plus à l'approche du gibier. Autour, voilà une belle préposition à connaître, comme l'adverbe jamais, autour, quelque chose. Autour d'elle, tout le monde était désolé. Alors, tout, pourquoi ça ne corrige plus? Je reviens, tout le monde était désolé. Elle voyait bien que nous ne chassions plus avec elle comme auparavant. Elle voyait bien que nous ne chassions plus avec elle comme auparavant. Il n'y a que des A dans ce mot. Alors, elle mettait un peu d'ordre dans sa tanière lentement. Elle mettait un peu d'ordre dans sa tanière lentement. Puis faisait sa toilette avec soin. Cette grand-mère à la fourrure argentée, encore magnifique, attendait ainsi ce louveteau. Alors j'ai laissé maladroit parce qu'il fallait pas que. Maladroit qui, de tous les jeunes loups, finissait toujours par revenir avec une surprise. Voilà pour la correction. Donc prenez bien l'appui là-dessus. Je vais mettre en couleur les accords sujet-verbe et puis après on étudiera un petit peu tout ça. Je vais également harmoniser devant vos yeux ébahis
et qu'il y a des trous qui sont plus ou moins gros. Alors je vais utiliser une fonction que vous connaissez peut-être, qui est la fonction de copier le format. Alors vous ne la voyez pas ici, je vais vous l'afficher. Hop, en déplaçant légèrement ma fenêtre, vous voyez que ici, j'ai cette fonction qui me permet de copier un format. Donc là, sur les mots sur lesquels je vais m'attarder, je voudrais qu'ils aient tous le format que je prends en quelque sorte ici. Je le copie et je le colle. Vous voyez, mon curseur est ici. Ça me permet de bien faire ressortir les mots qu'il fallait bien accorder. Là, j'ai raté le T. Voilà, je recommence. Voyez. Donc là, je reprends de là où j'étais. Je veux ce format aussi également sur s'envoler. Je voudrais également le format sur fallait. Ça vous laisse le temps de vous corriger pendant ce temps-là. Il y a voyait que j'avais raté. Voilà, auparavant, mettait. Et à chaque fois, je reprends le format en cliquant et en sélectionnant ensuite, sans lâcher la souris, le mot, et puis je lâche, et là, ça se fait automatiquement. Là, attendez, que j'avais raté, voilà, il finissait, désolé, c'est un peu long, mais vous voyez au moins comme ça comment on fait. Donc voilà les mots qui étaient importants. Je vais en particulier m'arrêter sur les verbes. Là, je gagne un peu de temps en le faisant sans filmer directement. Voilà, donc sous vos yeux, vous avez en jaune fluo tous les verbes à l'imparfait du texte. Je crois que je n'en ai pas oublié. Et la dictée portait essentiellement sur ce point. Alors, on va prendre le temps de vérifier que vous avez bien compris pourquoi c'est tel accord et pas tel autre. Je vais le signaler en vert ici, en soulignant à chaque fois le sujet, en faisant une petite flèche de l'un à l'autre. Bon, l'expression « il était une fois », il n'y a peut-être pas besoin d'expliquer beaucoup. Vous avez ici un sujet qu'on appelle un sujet impersonnel, ça ne désigne personne en particulier. On retrouve ces tournures impersonnelles dans le même texte. Par exemple, « il fallait »,« il faut », »,« il fallait ». Donc ici, c'est toujours singulier quand vous avez ces tournures-là. Je crois que c'est la seule tournure impersonnelle. Donc ici, singulier, je vais mettre ma petite flèche de l'un à l'autre. Ici. En espérant que ça fonctionne. Voilà. C'est pas très compliqué jusque-là. Le louveteau maladroit, si maladroit qu'il n'attrapait jamais rien. Donc ici, il fallait faire attention à l'accord de attraper. C'est pas spécialement difficile. Le sujet se trouve, si on applique c'est un louveteau qui n'attrapait, donc le sujet est ici. Et je vais faire ma flèche cette fois-ci à la main. En réalité, si je veux être très très précis, je me rends compte que le louveteau est représenté par le pronom il ici. Donc avant d'écrire, hein, méfiez-vous. Ici c'est mon vrai entre guillemets sujet, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sujet grammatical, alors que là, ce serait le sujet qu'on appelle aussi le sujet sémantique. Donc, le sujet, il est juste devant. Qui est-ce qui n'attrapait jamais? Lui. J'espère que vous avez compris cette différence entre le sujet sémantique et le sujet grammatical. Au fond, c'est pas très compliqué, mais il ne faut pas se tromper dans l'accord, il faut vérifier qu'il est vraiment singulier. Bon, les mulots lui filaient sous le nez, ce sont les mulots qui filent. Avec la tournure emphatique que j'utilise à chaque fois, c'est qui nous permet vraiment d'être certain, de ne pas nous tromper. Ce sont les canards qui s'envolaient. Donc ici le sujet, hop, ici le verbe. Ici on l'a déjà vu. Heureusement, il avait une grand-mère. Donc ici, c'est pas très compliqué de voir que c'est le pronom il, qui n'est pas impersonnel cette fois-ci. Il représente bien une personne. Il représente le louveteau. Alors, les grands yeux tristes regardaient courir les jeunes. Très souvent, là, ici, l'erreur possible, c'est de penser que c'est la grand-mère, qui est quelque part par là, et que donc,
C'est elle qui regarde. Sauf que ici, on dit bien que ce sont ses grands yeux tristes. D'ailleurs, j'ai oublié de tout mettre en grand, c'est pas très grave. Donc ici, il s'agit bien des yeux. Le groupe nominal sujet, c'est ses grands yeux tristes. Le mot principal est ici, les yeux. Ce sont donc ses grands yeux tristes qui regardaient. L'accord se fait au pluriel. Voilà. Même chose ici, sa peau ne frémissait. On parle d'un des attributs de la grand-mère. Bon, là, ça ne change rien puisque c'est singulier. Voilà, ça m'intéressait beaucoup. Tout le monde était désolé. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur les sujets collectifs, un nom singulier qui désigne plusieurs personnes à la fois. Par exemple, le mot foule, le mot le monde. Donc, tout le monde, eh bien, une tournure singulière, c'est le monde. Même si ça désigne plusieurs personnes. De la même manière, si je parle de la farine désigne une infinité de petits grains de farine. C'est un petit peu la même idée. Alors, le monde est donc ici singulier. Ça, c'était, je mets un petit panneau ici. Je parie qu'il y en a plusieurs qui se sont trompés sur ce point-là. Par la suite, c'est plus facile. Elle voyait, ne chassions, donc là, c'est quand même pas très compliqué de voir que c'était nous. Elle mettait, je vais un peu plus vite. Elle faisait, alors ici, voilà, ça c'est aussi la difficulté numéro 2. Le verbe se trouve loin, 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 derrière toute une série de précisions. Et pourtant, c'est encore le même sujet. C'est elle qui faisait sa toilette. Donc parfois, le verbe, vous voyez, se retrouve privé d'un pronom qu'on fait exprès de ne pas répéter pour alléger la phrase. On va plus dire, puis elle faisait sa toilette. Mais en fait, en général, on fait exprès de ne pas le dire parce que c'est sous-entendu. Et c'est suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas besoin de le dire. Ensuite, attendait. Alors, qu'est-ce qui c'est? Qui, c'est quoi qui attendait? Est-ce que c'est la fourrure? Ben non, une fourrure qui attend, je ne sais pas ce qu'elle attend. Et ici, c'est la grand-mère. Cette grand-mère à la fourrure argentée encore magnifique. Alors là, je me retrouve avec un complément, un groupe nominal qui est extrêmement long. C'est la grand-mère à la fourrure argentée, et cette fourrure argentée est encore magnifique. C'est un petit peu comme s'il y avait une expansion de grand-mère, et le mot fourrure se retrouve à son tour expansé par un adjectif et un deuxième adjectif. Donc tout ça, malgré tout, le mot pivot, c'est le mot grand-mère. Donc c'est avec ça qu'il fallait accorder. Voilà, et finalement, finissait, encore une petite difficulté, c'est pas le loup ici, c'est le louveteau qui finissait par revenir avec surprise. Donc là, vous avez, je mets aussi un panneau, c'est ce qu'on appelle un groupe écran qui vient s'intercaler entre le sujet et le verbe. Et c'est bien ce louveteau maladroit. Voilà mon sujet. Vraiment, si vous voulez vraiment être très 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 rigoureux, on dirait qu'en réalité, c'est le pronom qui, hein, qui représente le louveteau maladroit, et c'est lui qui finissait. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les propositions subordonnées relatives, et c'est un petit peu compliqué en sixième. Là, vous pouvez faire l'accord avec le sujet sémantique, comme je le disais au début. Voilà, donc il n'y avait pas énormément de difficultés. Le deuxième point sur lequel j'ai souhaité attirer votre attention, c'était tous ces mots qu'il faut savoir écrire, en particulier, je vais peut-être les surligner, si je trouve un surligneur dans mon système, je n'en trouve pas. Je vais les encadrer d'un magnifique rectangle bleu. Ce sera magnifique. Donc, il y a il n'attrapait jamais, c'est un adverbe. Donc ça, c'est vraiment un mot à connaître, qui sert à quelque chose. Quelque chose est un pronom indéfini, mais il faut vraiment connaître ce pronom. L'écriture de « heureusement » formée sur « heureux », il y a beaucoup de gens qui hésitent avec ces « eu ». Il y a la préposition « autour ». Voilà. Et de même, « auparavant ».
Et je crois que c'est tout. L'adverbe lentement, ça c'était notre histoire. Donc ça, c'est des mots importants. Si vous pouvez vous auto-évaluer si ça vous amuse, de compter vos points, vos erreurs. Je sais que les élèves aiment bien, surtout quand ça compte pas. Alors, on avait donc combien de points? Ben, 1, 2, bon là je laisse de côté les adjectifs. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà, c'est parfait, ça me fait 20 points tout rond, si j'adouche, voilà. Donc vous pouvez vous mettre une note sur 20, qui comptera pas, mais parce qu'on n'est pas dans les conditions de la classe, mais enfin, ça vous donne une petite idée de ce que vous avez réussi ou pas à faire. Voilà, j'espère que ça marche. Alors envoyez-moi vos résultats, n'oubliez pas de me les envoyer. Comme ça, on peut avoir une idée de vos éventuelles difficultés et puis voir où est-ce qu'on peut vous aider s'il y a besoin. Voilà pour la correction de cette petite dictée. À bientôt.